Ce que nous a appris Jean-Claude en réalisant des petits duels en tournée montée. Thank you.
deux reportages avec Madame Le Prince, conseillère régionale, et Monsieur Humeau, le boucher à Vivoin. Conseillère, pourriez-vous nous parler un peu de l'histoire du prieuré ? Oui, alors ce prieuré, depuis 1965, a été racheté par la commune, mais il y avait tellement de travaux que la commune n'a pas pu assumer tous ces travaux et que le conseil général l'a racheté. Et grâce au conseil général, un peu à la région, grâce aux fonds européens, des travaux ont pu être faits et comme tu peux le voir, c'est un très beau bâtiment. Alors maintenant, contrairement auparavant, il y a longtemps c'était des moines, maintenant ici c'est un centre culturel. Nous recevons des enfants pour faire des stages. L'été, des stages de musique, des réunions, des mariages, des conférences. En fait, c'est un bâtiment qui vit en permanence. Plus avec des moines, comme c'était à l'origine, mais avec beaucoup de gens, autres que les pèlerins. Pouvez-vous nous dire qui a participé au financement du prieuré ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc le conseil général, le conseil régional et également des fonds venant de l'Europe. C'est bon, ça. Comment avez-vous découvert ce métier ? Mais moi, j'ai remplacé mon papa, tu vois. Il était. Mes parents sont arrivés à Vivoin en 1945. Donc moi, je suis né au-dessus. Votre métier était tranquille. Ah, nous, c'est pas du métier tranquille. Non. On fait minimum 12 heures par jour de travail. Alors, on est bien long. Déjà, hein, il faut être très, très courageux et puis pas avoir peur de donner de son temps. La peau, hein, la couenne du corps, il faut l'enlever avant de faire la charcuterie. Ça fait pas du tout comme il s'est caché ça. Et maintenant, découvrons le montage virtuel. Bas gauche, vers la gauche. Cliche, efface. Effacer. Là, tu l'as sélectionné. Alors, pour y voir clair, tu reviens au bouton droit sur le chutier. Donc, c'est bien ce plan-là que tu as. Alors, tu vois, là, c'est une image. Avec une image, tu n'iras pas très loin. On démarre à partir de là. Séparé, position de coupe, je sélectionne. Alors, du coup, c'est pas bon. Chaque soir, nous participons à une veillée jeux et chants. Tout de suite, nos images. We'll be right back.
de ma vraie, on ne peut plus les mettre. Elle est jeune et ne peut quitter sa maman. De goûter. Quoi? Quelle papille dans la bouche permet de goûter? Les sensations là, quand tu manges quelque chose. I love you, new creation coiffure, bonjour! Et oui, maintenant, les petites annonces! Salut, moi c'est Bernard, on me sent le nanar qui boit du pinard. C'était juste pour boire, pour dire que si vous avez de l'alcool à vendre, n'hésitez pas, je peux l'acheter contre ma femme. J'en ai marre d'elle et quoi? J'adore picoler et si vous voulez vendre de la bière, n'hésitez pas à m'appeler au 0243. Bonjour les copains. Bonjour. Je voulais vous dire qu'avec Pimpin et Poupoune, nous présentons des spectacles dans l'asile de Bellevue. Vous pouvez nous retrouver avec mes amis sur www.asiledepoupoune.fr. Bye bye, au revoir. Découvrons le métier de boulanger avec Monsieur Bourrin, suivi d'un entretien avec Monsieur Morvan. Qui va tirer, eh bien, c'est-à-dire en 1968, il fallait le Pigueulé venait d'être acheté par la commune, il fallait l'animer. Donc, il fallait créer des groupes de travail dans le Pigueulé, et nous avions créé plusieurs groupes, le théâtre, le cinéma, et puis, mais surtout en 68, nous avions formé des expositions dans tout l'ensemble du Pigueulé, qui venait d'être acheté par la commune. Et alors, j'avais pris position pour créer la boulangerie, autrefois, le métier de boulangerie, dans les fermes. Enchaînons maintenant sur le cinéma muet. Thank you.
Votre film du soir, Le secret de Malus. Bonsoir. Madame, messieurs, bonsoir. Voici votre bulletin de météo. Avec moi, cette semaine, il faisait beau, mais il y avait un froid canard. Et pour le reste de la France, on s'en fout. Ne zappez pas surtout, il y a notre film, Le secret de Malus. Bonsoir. Notre prieur a l'air soucieux. Oui, allons le voir. Qu'avez-vous, frère ? J'ai fait un rêve étrange cette nuit. Racontez-nous. C'est comme si j'avais vu notre beau prieuré dans le futur. Il y avait des enfants, des statues étranges et des habits particuliers. Racontez-nous davantage, frère. J'avais vu les enfants s'installer dans notre bergerie. Il y avait des machines, des grosses roues, des tuyaux. Je ne sais pas ce que cela veut dire et je suis inquiet. Que peut-on faire pour savoir ce que signifie tout cela ? Demandons à Arthur ce qu'il peut faire avec ses pouvoirs. Non, je ne veux pas, car cela pourrait être trop dangereux. Si vous refusez, frère, jamais nous ne saurons ce que cela veut dire. Mais enfin, frère prieur, l'avenir de notre prieuré en dépend. Je suis d'accord avec vous, frère prieur, mais nous sommes bien obligés d'utiliser les pouvoirs d'Arthur. D'accord, mais ce sera la dernière fois, car Arthur n'utilise pas ses pouvoirs pour faire le bien. De toute façon, frère, vous ne m'avez jamais fait confiance, mes pouvoirs vous ont toujours fait peur. En seriez-vous jaloux ? Non, tu sais bien que nous serions accusés de sorcellerie si jamais quelqu'un apprenait que tu avais des pouvoirs. C'est pour cela que je ne veux pas que tu les utilises. Mais cette fois, je suis bien obligée de te demander de l'aide. Arrêtez cette querelle, mes frères! Ce n'est pas le moment! Oui, nous allons surveiller Arthur de près. Pas la raison, ne perdons pas de temps. Je compte sur vous, mes frères. Vous voyez bien que mes pouvoirs sont utiles.
enfants sont importants, Arthur. Pourquoi les utilises-tu pour faire le mal? La vie majeure a mauvais tour en mes choses impossibles. Alors je veux passer mon existence à me venger. Et maintenant, écartez-vous et regardez bien. Sionne ma reine Varana, que signifie tout cela? Cela ressemble au rêve de notre prieur. Vous voyez comme notre beau prieuré a changé. Il faut empêcher que ce futur s'installe. Nous devons chasser ces enfants pour que notre prieuré reste notre heure. Je crois qu'Arthur a raison. Mais comment allons-nous y parvenir? Je vois un moyen, mais les risques sont importants pour tous ceux qui s'y opposent. Quel est ce moyen? Suivez-moi, mes frères. Voici le gisant du seigneur de Vivoin. Il délivra le seigneur de Beaumont. En reconnaissance, il eut une bague. À sa mort, il se changea mystérieusement en pierre. Pourquoi vous parlez de ce personnage? Car c'est lui notre moyen de vengeance. Que veux-tu dire par là? Mes pouvoirs sont importants, c'est vous-même qui l'avez dit. Regardez ce que je suis capable de faire. Quidam Faramed, alors! Mais que fais-tu? Je vais envoyer le gisant dans les futurs. Il sèmera la peur et la panique. Et notre prieuré restera un lieu de prière. Mais si tu envoies ce gisant terrifié, les personnes du prieuré, il sera abandonné. Ce n'est pas le problème. Est-ce qu'on entend pour envoyer ce gisant dans les futurs? Thank you.
embêter les filles. Ouais, 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 super, bonne idée. Ouais, super, on attend que le prof soit passé et après on y va. Ouais. Ouais, faut attendre que la lumière soit éteinte. Ouais, ok. On prend nos coussins, on descend sans bruit, on crée un grand coup chez les filles. Ouais, ouais, super, super, ouais, génial. Maintenant, on fait semblant de dormir. Le prof va bientôt passer. Ah, vous êtes déjà couché? Oui, monsieur, vous êtes fatigué. C'est très bien, les enfants. Et je compte sur vous, hein, soyez sages. Hein. Oui, monsieur. Allez, bonne nuit, les enfants. Voici, c'est bon, les gars. On peut y aller. Ok, on peut y aller. Faites pas trop de bruit. Oui, laissez-vous, là. Elles vont arriver nous entendre, monsieur le maître. Je crois que je vais vous éternuer. C'est pas le moment. Pouah, c'est dégoûtant. Il va, il va. C'est bon, le prochain. De Louis XIV, les personnages importants avaient l'habitude de fermer leur courrier avec de la cire.
et afin qu'on sache qui avait envoyé le groupe. Ce saut était leur... Bon, ça va, c'est toi, on a compris. Bon, allez, on va trouver le prof. Ouais, ouais, allez là. Mais c'est pas vrai, là. Qu'est-ce que vous faites au bout de la cour à cette heure-ci? Vos camarades m'ont raconté une histoire invraisemblable. Mais monsieur, c'est pas nous. Allez, vous allez vous coucher tout de suite. Oui, c'est vrai, on était tous bloqués dans nos chambres. Je veux rien savoir. Vous allez vous coucher. D'ailleurs, nous avons trouvé deux objets intéressants. Une chevalière qui, selon moi, doit appartenir à un personnage important et un seau de cire qui pourrait porter... Non, j'en ai assez entendu maintenant. Vous allez au lit tout de suite. Allez, ça suffit. Au lit. Oh, c'est pas possible. Mais que font vos camarades? Ils dorment encore? À propos du soir, hier soir. Mais quoi, hier soir? On a un espèce de truc en rouge est apparu après votre passage. On a peur, oui. Étienne, Alexandre et François. Mmh. Nous n'avons plus la plus vieille Charlotte, nous envoie les Joannes. Je viens d'aller voir dans les chambres, il n'y a personne. Quoi? Oh, ça c'est vous. Je préviens la gendarmerie. On peut pas rester là, attends, il faut les retrouver. Ouais. Il faut s'organiser. Un groupe a exploré le prieuré et les autres vont dans la bibliothèque voir s'ils trouvent des renseignements sur les objets qu'on a trouvés. Ok, moi, comme j'ai vu le truc hier soir, je pars à la découverte du prieuré. Qui vient avec moi? Bon, moi je m'occupe des recherches à la bibliothèque. On y va. Complètement, c'est pas ça qu'on cherche. Oui, c'est vrai, remets-le en place et continue à chercher et tais-toi. Chemin du 12e. Et regardez, il y en a d'autres. Regardez, on dirait le même saut. Faut être sûr que c'est le même. Oui, tu as raison. Regarde, il y a le même dessin. Qui donne Qu'est-ce que ça veut dire au jeu, ce truc-là? Mais c'est du latin. Quae, idem, signum, fert et osabet. Il faut trouver un dictionnaire de latin. Je n'ai pas vu tout à l'heure en cherchant. Bah, cherchons ailleurs. Oui, on verra ça tout à l'heure. Bon, bah, moi je vais les étudier. Hein. Allez, on rentre. Bon, bah viens, Fouillard. Il y a bien de la lumière quelque part, mais cherche un interrupteur.
Et on a découvert qu'il ne supportait pas la lumière. Vite, allons avertir les autres. Vous ne pouvez pas savoir ce qui vient de nous arriver. Dana, alors raconte. On a vu une sorte de chevalier qui n'avait pas l'air sympathique. Ouais, c'était la même chose que j'ai vue hier soir dans nos chambres. Et même quand on l'a éclairée, elle s'est volatilisée. Ouais, c'est ça, on y croit. Mais c'est vrai, il faut nous croire. Attendez, c'est très intéressant, car j'ai lu dans un livre qu'il y avait au prieuré de Vivant... Tais-toi avec ta science ! Et vous, vous avez trouvé quelque chose ? Oui, on a découvert un parchemin qui correspond à la traduction du sceau en latin. Et moi, j'ai trouvé un dictionnaire de latin et j'ai traduit la phrase. Ben alors, ça veut dire quoi ? Je n'ai pas très bien compris, mais la traduction dit le porteur du même signe et des signes. D'accord, il faut être très prudent et avoir toujours une lampe de torche avec nous. D'accord. Hé, hey, regardez, la bête porte le même signe que le sceau. C'est pas vrai. Ça y est, encore une catastrophe. Moi, j'ai vraiment peur. Et non, moi, je viens de trouver une photo du gisant qui est dans le verre. C'est un chevalier du Moyen-Âge. Sur la photo, il y a un gros de sa main. On voit une bague qui ressemble à celle qu'on a trouvée. Bon, on va aller voir le gisant. On prendra de l'ordre de poche en passant. Ouais, le bon âge. Le futur, le passé, je reviens de l'aventure, Sidon Chevalier, rejoindre Maître Arthur dans la tour prieuré. Maintenant, remets ce gisant à sa place, n'en parlons plus. La bague, regardez, il ne la porte plus à son doigt. Et alors, ce n'est pas grave. Si le gisant n'est pas comme avant, je ne peux pas le remettre à sa place. Il lui faut sa bague. Qu'allons-nous faire? Si notre évêque apprend cette histoire, nous serons accusés de sorcellerie. Il faut le renvoyer dans le futur pour qu'il récupère sa bague. C'est le seul moyen. Le passé est le passé, le futur est le futur. Dis-donc chevalier et pas de blessure. Quitte le prieuré et pars à l'aventure. Va, rends tout et obéis aux ordres d'Arthur. Thank you.
Arrêtez de parler de ça. De toute façon, on voit bien que vous n'y connaissez rien. Les fantômes, ça n'existe pas. J'ai lu dans un bouquin. Tais-toi, ça va, tu me casses les oreilles. Non, je ne dirai plus rien. Tant mieux, ça nous fera des vacances. Ça suffit maintenant, on a autre chose à faire. On est là pour chercher des indices sur la bague. Il faut observer la statue. Bah, à toi l'honneur. Ok, j'y vais. Incroyable! Cette statue n'a plus sa bague. Montre-moi ça. Solène, ramène ta phrase avec ton bouquin sur le gisant. Pas de doute, c'est bien ça. Nous avons dans la main la bague du gisant. Normalement, elle devrait être sur la statue. Je viens de comprendre. Le chevalier qui se balade dans le prieuré, c'est en fait celui que nous avons sous les yeux. Quoi? Je veux dire que cette statue est vivante. Quoi? Mais bon, Solène! Attendez, que veut dire la phrase en latin qu'on a trouvée? Ça veut dire le porteur du même signe bénédicien. Alors nos amis sont prisonniers de cette statue maudite. Mais alors, où cette statue les détient? Estelle, tu repars avec ton groupe à la bibliothèque. Nous, on repart dans Soudain. Ok! Il y a un croisement. Toi, tu vas par là, moi, je vais de l'autre. D'accord, mais si on ne les trouve pas, on dépense le feu. Avec la bague. Quoi donc? Solène avait mis la bague à son. Avec son doigt, l'image d'une tour est apparue. Ah bon, bah vite là, faut y aller. Ah,
qu'on avait en image. Depuis la fois que je voulais vous le dire. Bon alors les enfants, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que vous connaissez le tour carré à l'ivoire? Oh, il n'y a pas de tour carré par ici. Attendez, c'est à peu près comme ça. Ah, on dirait le pigeonnier du manoir de Bréjus, mais c'est un endroit dangereux, il ne faut pas y aller. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est un endroit maudit, il y aurait un fantôme qui le hante. Savez-vous où ça se trouve? Ah oui, c'est tout près d'ici, sur la route de Beaumont, sur la droite. Merci monsieur. Merci, monsieur. Au revoir. Regarde, Estelle, ça doit être une grande maison. Le pigeonnier ne doit plus se trouver loin maintenant. Tu as raison, Ronin, il vaut mieux être prudent. Tu vas commencer par inspecter les environs pendant que j'entrerai dans le pigeonnier. D'accord, on y va. Soyez prudent et ne faites pas de bruit, hein. Quand faut y aller, hein, faut y aller. Ouais, t'as raison, c'est un instant de vérité. Allez, Guillaume, essaie d'ouvrir la porte. Ouais. Bon, bah voilà, on peut y aller. Oh là là, je savais que j'aurais pas dû venir. Tais-toi, tu n'as qu'à rester à surveiller la porte. Nous, on y va. Hé, hey, attendez-moi. Ça alors, c'est étonnant, il n'y a personne. Ouais, c'est étrange. Regardez, un escalier. Ok, ok les filles, je passe le premier. Ah, c'est pas trop tôt. Avez-vous vu la statue? Non, pas pour l'instant. Comment avez-vous fait pour nous retrouver? On vous expliquera plus tard. Pour l'instant, il faut partir d'ici. Allez, vite, il faut partir avant que le Jason arrive. Qu'est-ce qui se passe? On a battu la statue grâce à Solène qui a mis la bague à son doigt. Bon, je vais enlever la bague, ça brûle. Non, sinon le gisant va se remettre en mouvement. Et je te dis que je peux pas la garder, c'est brûlant. Tu la gardes pour l'instant, je sais ce qu'on trouve une solution. Il faut remettre la bague au doigt de la statue, car cela la fera repartir dans son époque. Moi, ça me fait peur. Mais non, c'est la seule solution. Je l'ai lu dans un des livres de la bibliothèque. J'ai voulu vous le dire, mais vous m'avez jamais écouté.
Tu en es bien sûr? Oui, la bague permet de faire voyager la statue entre le passé et le présent. Comment tu sais? Ça sert de lire dans les livres. Tu devrais en faire autant. Faites-moi confiance. Perdons pas de temps, allons-y! Oui, il faut remettre la bague au dos de la statue! Bah là, je suis d'accord. Vous avez vu, c'est comme si elle ne nous avait pas remarqué. Elle est passée à côté de nous sans nous voir. Je la préfère comme ça, mais c'est quand même étrange. Mais oui, mais on n'a plus rien à craindre maintenant. Regardez le bénitier, il dirait même que celui du prieuré. Ouais, t'as raison, c'est le même. On dirait que c'est le prieuré au passé. Mais c'est impossible! Tout est possible pour moi, je suis le maître des gisants, je suis un puissant mage. C'est ça, et moi je suis la reine d'Angleterre. Tais-toi, mécréant, ne me provoque pas. Calme-toi, Arthur, on n'écoute pas ces jeunes jouvenceaux. Approchez et écoutez-moi. Nous sommes les gardiens du prieuré. Nous avons reçu pour mission de le protéger afin qu'il en reste un lieu de culture, d'asile, et qu'il apporte autour de lui un rayonnement important. Alors c'est vous qui nous avez entraînés dans cette aventure avec le gisant? Oui, c'est la seule façon que nous avons pour sauver notre prieuré et à bien mener notre mission. C'est donc vous les responsables de la malédiction de Bréjus? Oui, car l'avenir de notre prieuré nous inquiète. Grâce au pouvoir d'Arthur, nous avons découvert que le prieuré avait perdu son âme. C'est curieux, je n'ai jamais entendu parler de vous dans aucun livre. C'est normal, mes pouvoirs de sorcier auraient pu nous condamner à mort. Nous avons toujours agi. C'est horrible de faire autant peur aux gens. Tu as raison. Mais nous devons conserver notre secret et tout faire pour sauver notre prieuré. Mais pourquoi votre prieuré est toujours un lieu de culture? Que veux-tu dire? Oui, Victor a raison. Le prieuré de Vivois est un lieu très connu. Il permet à chacun de nous de mieux connaître votre époque. Mais dis-moi, est-ce encore un lieu d'asile? Bien sûr que oui, des enfants viennent en classe découverte. Vous mentez, ignoble Dieu. Non, c'est la vérité. Si vous utilisiez vos pouvoirs pour le bien, vous verriez que le prieuré de Vivois est entièrement restauré. Il est connu dans toute la France et même une bonne partie de l'Europe. Des jeunes y viennent en été pour faire de la musique. Regardez si vous ne nous croyez pas. Oui, il faut que vous ayez confiance en l'avenir, même si les choses ne sont pas comme avant. Il faut les accepter et avoir confiance en l'humanité. Arthur, tu prends maintenant que tu peux détruire sa bague magique. Nous savons que le prieuré vivra dans les siècles qui suivent.
Notre prieur a raison. Arthur, fais confiance en l'avenir. Le passé est le passé, le futur est le futur. Suis un chevalier et confiance à l'avenir. Par mes pouvoirs, efface de nos blessures. Détruis cette bague pour ne plus repartir. Que s'est-il passé? Rien, rien, tout va bien. Action. Perdons pas de temps, allons-y. Oui, il faut remettre la bague au-dedans de la statue. Là, je suis d'accord. Ah, le bon doigt. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de pas normal qui s'est passé avec la bague. Mais pardon. Oh, non. Action. Ah, bon, voilà. Mais je sais pas. Il y a quelque chose de pas normal. Vous approuvez, dès maintenant, vous approuvez. Arthur, je crois même que... On a du mal à se concentrer, allez. Faut se concentrer, les enfants. Allez, chut, on va redémarrer. Attention. Allez, on redémarre. Attention. Chut. Silence. Fond. Chut. Action. Allez, faut essayer de faire. Allez, allez, chut. On se concentre. Allez, on y retourne. Troisième prise. Chut. 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 Allez, on se concentre. Attention. Chut. Allez, on se concentre. Chut. Action. C'est pas possible. Il y en a toujours un qui craque. Allez, il faut tenir là, allez. Les... Il y en a toujours un qui craque. Pourtant, les deux, je vais faire. J'y arriverai jamais à me concentrer. Allez, attention. Allez, on reconcentre.
On a pensé à quelque chose de triste. Attention. Chut. Attention, non, allez. Allez, chut. Allez, on se concentre, on y retourne. Allez, chut. Action. Attends, tu gâches tout. Tu vas y avoir rigolé, toi, tu rigoles. Allez, non, il faut se concentrer quand même. Non, il faut, parce qu'on va pas, si vous voulez profiter de la veillée là, qui a commencé, il faut quand même y arriver.